Boa tarde a todos, aqueles que estão aqui na Fundação Leite Couto e aqueles que nos estão a assistir online. Bem-vindos. O meu nome é Rui Trindade e, em nome da equipa do Festival Maputo Fast Forward, queria desejar-vos a todos as boas-vindas. Welcome to everybody. Bienvenue à la 6e edition do Festival Maputo Fast Forward. Esta sessão, que é a sessão de abertura em simultâneo do festival e da conferência. Como todos os anos, o programa deste ano também inclui uma conferência que vai ter 5 sessões durante a próxima semana, em que será abordado o tema geral deste ano, segundo perspectivas e ângulos diferentes, mais relacionadas todas elas com o futuro e como nós imaginamos ou gostaríamos de imaginar esse futuro de uma forma diferente, umas dedicadas a design, outras à tecnologia, ao blockchain, outras formas de organização democrática, etc. E eu gostaria de dizer também uma palavra de agradecimento aos nossos convidados desta noite, ao Mia Couto e ao Felwine Sarr, que é uma honra e um privilégio para nós tê-los aqui na sessão de abertura. Gostaria de, em particular, dizer o meu muito obrigado ao Felwine Sarr e vou, j'aimerais exprimer ma satisfaction d'avoir Felwine Sarr avec nous et de dire que son œuvre Afrotopie a été une des grandes inspirations pour le thème de cette année, comme on peut voir par le titre du programme de cette année. Et j'espère bien, Felwine, qu'on peut, dans le futur, vous avoir ici avec nous. Nós vamos, não só foi uma inspiração para o tema em geral e para esta conferência, como também para uma residência artística que nós fizemos com artistas de Cabo Verde, Moçambique e Tanzânia, e que espero que possam estar presentes amanhã na sessão de abertura, na 16 Neto, dessa exposição, que é uma exposição online, digital, muito interessante. Eu vou apenas dar uma indicação técnica às pessoas que quiserem, precisarem de tradução simultânea, quer na sala, quer aquelas que estão em casa. Portanto, em português é o número 1, em inglês, número 2, em francês, número 3. E dito isto, eu vou passar a palavra à Sara Laís, que é a diretora da Fundação, que é a nossa parceira também neste evento. E antes de depois dar a palavra à nossa amiga Leila, da Embaixada Suíça. Sara, se faz favor. Muito boa noite a todos aqui presentes e os que nos ouvem de outros lugares. Eu tomo a palavra para vos dar as boas-vindas aqui nesta casa e desejar que tenhamos um bom evento.
Quero também lembrar que é premente, ou tem sido premente nos dias que correm, discutirmos afrotopias, discutirmos sermos autores, sermos donos do nosso destino, sobretudo do nosso destino histórico. Nos dias que correm, é importante nós ressignificarmos aquilo que já começamos a fazer, que é percorrer este destino, fazer este caminho para o destino histórico. E acrescentar dados àquilo que já foi problematizado, porque esta discussão ainda é necessária. Então, é pensando na importância dessa discussão, na urgência de fazê-la e na insuficiência de dados que ainda existem para fazer este caminho das afrotopias, que nós, Fundação Leite Couto, nos juntamos a 16 Neto para iniciar este debate com outro mote a partir de Miyakoto e de Felo Insá, e eu quero, nesse sentido, desejar-vos um bom evento, uma boa discussão e que tudo corra bem. Tenho dito e corra bem. Obrigado. Como é óbvio, estes eventos desta natureza, como tem sido o Maputo Fast Forward, são eventos que não seriam possíveis sem apoios muitos e diversos. E desse ponto de vista, eu quero agradecer a todos aqueles que nos apoiaram para nesta grande aventura que foi esta experiência também de fazer um evento híbrido. E em particular, eu gostaria de dar a palavra àquela que tem sido o nosso apoio desde o início, constante e permanente, e sem o qual também não teria sido possível o Maputo Fast Forward. Laila, please. Bonsoir à tous et à toutes, à tout le monde d'ici et d'ailleurs, quelque part, je sais pas où. C'est un monde incroyable. Il y a très peu de temps, je pense personne parmi nous, sauf peut-être ceux qui écrivent et lisent fréquemment les science-fiction, auraient pu s'imaginer un espace pareil, une interaction pareille où on se sent quand même très en lien avec des personnes qu'on voit maintenant sur l'écran, mais aussi des personnes dont on ne connaît pas, dont on ne voit pas, mais on sait qu'ils sont ici à quelque part et nous écoutent. J'aimerais aussi chaleureusement dire bonsoir à Miyakoto, qui se trouve au Portugal, et Fel Winsar, qui, la coïncidence le veut, se trouve en Suisse pour l'instant. Pour la Suisse, pour l'ambassade de Suisse, c'est la 6e édition. En fait, qu'on travaille ensemble, en partenariat. Et ça, dès le début, pour moi, c'est la 3e fois. Ça a toujours été une aventure, une aventure surtout très stimulante, une aventure intellectuelle, mais aussi avec beaucoup de stress, beaucoup de nuits où je pense nos partenaires dorment très mal parce qu'ils se font des soucis, malheureusement très profanes. Est-ce que les sous vont venir? Est-ce que tout ça va marcher? Mais ce soir, on aimerait vraiment célébrer la beauté de ce festival, de cet espace imaginaire auquel on va, dans lequel on va tous entrer ensemble dans ce petit moment. C'est un effort artistique, un effort académique, un effort scientifique, culturel, mais aussi ce soir particulièrement un effort logistique. Alors, je me réjouis aussi de voir comment ça va se dérouler. Nous avons tous besoin, même si on travaille pour une ambassade comme la Suisse ou comme ça, besoin de l'imaginaire. Nous devons nous projeter à quelque part, nous devons nourrir nos âmes et nos cœurs pour trouver un sens dans tout ce qu'on fait et aussi de faire face à nos angoisses et nos peurs du quotidien. Et c'est pour ça que je me réjouis vraiment d'avoir ce soir Felwinsar et Miyakoto qui vont ouvrir cette session, ce festival, qui vont nous inviter, je pense, à partager avec eux, à entrer avec eux dans une heure d'imaginaire, d'utopie, d'un voyage aussi qui nous donne des pistes, des champs, des choses à voir. Et je suis très fière aussi, comme représentante de la Suisse,
d'être avec vous ici ce soir. J'ai une toute petite anecdote qui est très personnelle, mais j'aimerais quand même la partager avec vous ce soir. Il y a deux jours, lors du souper, mon fils qui a 6 ans m'a demandé si on pouvait rêver des choses qu'on ne s'était pas encore imaginées ou bien qu'on n'en avait pas encore y pensé. Moi, j'ai mon opinion, on avait un débat très animé autour de la table, chez nous à la maison, et je suis sûre que aussi Felwinsar et Mia Kuto vont nous donner des réponses ce soir. Merci beaucoup à toutes et à tout le monde. Só uma precisão muito, uma explicação breve sobre como é que isto se vai acontecer. Portanto, nós propusemos ao Mia Kuto e ao Felwinsar uma conversa livre entre os dois. E é isso que vai haver a partir de agora. Portanto, não há moderação, é uma conversa entre eles e depois haverá um pequeno período de perguntas e respostas. Muito obrigada. Felwin, Mia, whenever you want, quando quiserem, como voulez. Felwin, you start. Yes. OK. OK. Donc, j'aimerais d'abord dire que je suis très, très heureux de participer à cette conversation avec Mia Kuto, dont je suis un grand lecteur et dont j'aime beaucoup les livres. Et je suis très heureux aussi d'avoir l'opportunité de discuter avec vous, je pense, d'imaginaire, de futur, d'utopie, quoi. Et j'aimerais commencer cette conversation pour demander à Mia Kuto, lui qui est un écrivain, donc lui qui crée des mondes sortis de son imaginaire, des mondes qui n'existent pas, est-ce que l'idée du futur, de ce qui n'est pas encore là, c'est une idée qui est importante pour lui en tant qu'écrivain? Et dans quelle mesure c'est une idée importante? Je suis vraiment intéressé de savoir quel est son rapport au futur, à ce qui n'est pas encore là, à ce qui pourrait advenir. Ok, muito obrigado, Felwin. É um grande prazer estar aqui consigo. Este é um evento raro, porque não acontece tão frequentemente quanto nós poderíamos fazer. Conversarmos nós em sítios diferentes da África, não é? Entre nós, dentro da África, sobre o que nós pensamos. Normalmente temos que vir à Europa ou temos que vir para fora da África para nos encontrarmos e para conversarmos. Este é um desafio que temos há muito tempo, mas eu acho que devemos perguntar a nós próprios por que é que adiamos tanto este diálogo que é feito entre nós, dentro do próprio continente. Eu devo dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com o Felwin, que é uma pessoa que eu admiro e que aprendi a admirar mais desde que eu sei que vai acontecer este evento, e quero agradecer-lhe porque há uma coisa que eu posso tornar público, que nós já estamos numa conversa, graças à ideia do Felwin, de nos encontrarmos num outro evento em Dakar, e isso me deixa enormemente feliz porque, tal e qual como o Maputo Fast Word está fazendo agora, é possível, nós não fazemos porque realmente não queremos tanto como devíamos querer este tipo de diálogo. Então, tal e qual como o filho de Leila que sonhou e fez essa tão bela pergunta, na verdade eu acho que o futuro não é exatamente aquilo que ainda está por vir somente. O futuro são coisas que já estão presentes, nós não somos capazes de reconhecer, são coisas que a gente coloca no domínio do sonhar, no domínio daquilo que parece desejado, não é? Mas muitas dessas coisas são o passado mal escrito, o passado mal resolvido, não é? Que projetamos depois em tempo nenhum, e são também do domínio de um presente que nós não sabemos decifrar todas as suas dimensões, não é? Então, eu gosto muito da ideia que é lançada pelo Felwin, das afrotopias, e como é importante nós construirmos um outro tipo de representação do mundo a partir daquilo que são os nossos próprios pensamentos, né? Do nosso próprio pensamento.
que não é um pensamento que a gente vai, digamos, chegar a um momento que dizemos este é o pensamento africano, seria uma coisa pobre se dissessemos que isto é um pensamento africano. O Felwin tem o seu pensamento, eu tenho o meu. Mas, na verdade, o que podemos fazer é criar mais diálogo entre aquilo que nós pensamos, que estamos construindo como um novo território do saber a partir de África, a partir da nossa própria soberania. Não? Então, eu... talvez eu lançasse uma provocação para o Felwin, para eu não falar mais agora também, dar a palavra ao Felwin, mas, por exemplo, o que aconteceu agora com o Prémio Nobel da Literatura, por exemplo, eu acho que é uma boa oportunidade para pensarmos por que é que nós, em vez de discutirmos os critérios dos outros, etc., a importância das identidades, do autor, etc., infelizmente discutimos mais sobre a pessoa, do Abdul-Razak do que propriamente da sua obra, né? Mas por que é que não pensamos de uma maneira mais ousada, né? Dizendo assim, por que é que a África, em vez de ser um território de eventuais premiados, por que é que nós não somos premiadores, primeiro dos próprios escritores africanos, por que é que não conquistamos essa soberania de sermos nós a dar prémios? Podemos dar aos outros também, mas principalmente começando por aquilo que seriam os nossos próprios escritores. Não sei, era essa a provocação que eu queria fazer, porque é uma coisa muito próxima e foi muito debatida, infelizmente, normalmente de uma maneira muito equivocada. Não? En fait, ce que je crois, c'est que absolument, qu'il est absolument nécessaire qu'on construise les métaphores, et j'aime bien le terme métaphore, de nos futurs, et qu'on dégage les horizons de nos représentations. Parce qu'on est dans un monde où, en fait, la notion de futur a disparu dans le sens de ce qui doit advenir de manière souhaitable, et ça a été remplacé par un certain nombre d'angoisses face aux crises existentielles, aux crises écologiques, aux crises politiques, et que le futur est devenu sans promesse. Ça, c'est de manière globale. Et les grands récits que nous avons, c'est des récits qui nous aident à éviter les désastres qui nous sont annoncés. Le désastre écologique, il nous est annoncé. Donc, on a un certain nombre de récits pour faire face à ce désastre-là. Il y a certains qui construisent un récit sur la collapsologie, tout va s'effondrer. Donc, comment on vit dans un monde où on pense que tout va s'effondrer. Et tous ces récits-là ont désinvesti l'idée de mieux être dans le temps à venir. Donc, on est revenu quand même de la grande idée du progrès, que les temps à venir vont apporter du mieux. On sait que dans les temps à venir, il y a un surgissement de tous les possibles. Il y a les monstres qui peuvent surgir, il y a aussi le mieux-être qui peut surgir. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on est en panne d'utopie. On est en panne de ces ressources imaginaires qui nous permettent de nous projeter, d'envisager des futurs souhaitables. On sait bien que le futur, il n'arrive pas comme on le veut, que les futurs sont non configurables. On n'arrive pas à les configurer. Mais ça ne nous empêche pas de les investir d'une intentionnalité. Et je pense que le continent africain a vécu ces derniers siècles une sorte d'assèchement de ses espaces de représentation. On a passé son temps à lui dire qu'il était en retard sur la marche du monde, qu'il devait rattraper des retards, le développement économique, la modernité sociétale, et qu'il devait s'inscrire dans les récits que les autres avaient produits, ou qu'il devait s'inscrire dans un chemin, dans une téléologie, dans une histoire linéaire, et qu'il devait rattraper son retard. Donc, du coup, sa présence au monde a été représenté sous la forme lacunaire. Et je pense que ce déficit de capital symbolique dans la représentation, c'est un déficit que nous devons combler en créant des espaces de représentation symbolique. Les prix littéraires en sont un, et en créant des récits et des narratifs qui justement quoi, nous redonnent l'initiative sur la capacité de produire du récit. Et je suis certain que toi, en tant qu'écrivain, ben, tu es d'accord avec la puissance imaginaire du récit, mais la puissance, je dirais même active du récit. Au-delà du fait d'être quelque chose qui investit l'imaginaire, mais c'est quelque chose qui agit dans le temps de l'histoire, dans le temps de l'humanité des uns et des autres. Et je me disais justement, dans ce monde où on est en train de chercher justement un récit, mais chercher un récit, c'est chercher une issue, c'est chercher une voie désirable. Est-ce que tu penses que la littérature peut jouer un rôle important et quel rôle tu donnerais à la littérature en dehors de celui que l'on sait habituellement? Et ça m'intéresse de voir. Est-ce que tu estimes que ton travail, comment tu
lit ton travail littéraire, ton travail de production de récits, dans ce souci ou ce désir ou cette nécessité de produire des récits. Ok. Parce que les mondes dans lesquels nous voulons habiter, il faut bien qu'on les, qu'on les produise dans l'espace du langage et des imaginaires d'abord. Ok. É uma boa questão. Eu acho que, para mim, contar uma história a partir de uma visão africana é uma maneira de romper com aquilo que é uma lógica mecanicista, uma lógica cartesiana que de alguma maneira se instalou e se naturalizou no nosso próprio pensamento global, digamos assim. Quando este cotidiano que eu vivo em Moçambique, quer seja na cidade, quer seja numa zona rural, me diz que as pessoas têm identidades que são produzidas todos os dias por via de relações humanas, relações sociais. Quando a própria palavra futuro em Moçambique, ela é questionada porque, digamos assim, a relação com esse tempo é quase uma relação do domínio do sagrado, não é? Por exemplo. Quando eu circulo no campo e um pensamento profundamente ecológico já está instalado nessa zona rural, que determina que, por exemplo, um rio não seja uma coisa, mas seja uma entidade, a montanha é alguma coisa que tem fala, que tem alma, que conversa comigo, não é? Tudo isso não é objeto de coisa folclórica, não pode ser sujeito a alguma coisa que a gente diz que é da tradição africana, que é uma coisa que é do domínio do exótico. Não, há aqui uma visão do mundo diferente. Aqui alguma coisa que não permite coisificar essas entidades que são... que questiona a fronteira entre o vivo e não vivo, por exemplo. Eu acho que todas estas contribuições alimentam uma maneira de questionar o tempo, o próprio tempo, a ideia do futuro, né? Com essa intromissão também de um tempo circular, esta noção de um tempo circular. Eu acho que tudo isto a literatura diz, sem proclamar, né? Sugere, contando uma história que de alguma maneira subverte essa ordem, essa lógica que foi instalada e que nós tornamos indígenas indigenizamos dentro de Moçambique e dentro do Senegal e hoje chamamos pensamento global. Acho que, desse ponto de vista, a literatura tem essa capacidade de questionar alguma coisa que não é do domínio literário só, mas que é no domínio da cosmologia, digamos assim, da visão do mundo. Tu concordas comigo? Oui, je suis entièrement d'accord. Et même, j'aime bien le mot et l'idée de la cosmologie et de la vision du monde, parce qu'en fait, je crois vraiment que l'un de nos défis, c'est d'avoir hérité d'une cosmologie qui sépare l'être humain du vivant, qui distingue la nature et la culture, qui est une cosmologie binaire. Et d'ailleurs, même, il y a des travaux, je veux dire, dans l'épistémologie occidentale qui les remettent en cause et qui fait que on a réduit notre existence à une binarité, culture-nature, humanité-non-humanité. Alors que fondamentalement, des cosmologies comme les cosmologies africaines ou celles d'Amérique latine ont conçu une continuité entre les différentes formes d'existence et de vie. Et aussi, on conçut les identités comme étant fluides. Elles ne sont pas stables. Et on conçut aussi les identités comme étant en capacité de métamorphose, les identités métamorphiques. Donc, du coup, toute cette difficulté que nous avons à avoir un rapport, je dirais, adéquat avec ce que l'on appelle l'écologie, c'est parce que nous vivons dans une cosmologie de la séparation. C'est-à-dire que nous sommes les sujets qui dominons la nature et la nature, elle est un objet que nous articulons à nos propres fins. Nous avons une relation instrumentale. Mais il y a une vraie problématique liée à la vision de notre place dans l'espace, dans l'univers, dans le vivant et à notre identité qui fondamentalement est une identité relationnelle. Et même notre ontologie, notre être, c'est une ontologie relationnelle. Nous sommes, parce que nous sommes en relation, et avec, nous faisons partie du vivant et nous ne sommes pas séparés du vivant. Et donc, du coup, il y a une sorte de difficulté à concevoir que les questions qui sont
pour nous, sociales et politiques, bah, si on ne les pense pas avec les questions environnementales, avec tous les autres mondes qui sont en soutien, nous n'avons pas de vie. Notre vie, elle ne tient pas si ces mondes ne nous viennent pas en soutien. Ce n'est pas la vie individuelle. Et je pense que dans l'espace du roman, justement, quoi, on peut recréer ces récits-là, on peut les restituer dans l'espace du roman, qui est l'espace du texte imaginaire. Et si je prends la question de l'écologie, je pense qu'on a beaucoup de difficultés à prendre de bonnes décisions, parce que justement, le roman n'a pas assez fait exister cette réalité de l'unité du vivant dans l'espace de l'imaginaire. Parce que généralement, on pense que ce qui est dans l'espace de l'imaginaire, puisqu'il est dans l'imaginaire, il ne sera pas dans la réalité. Moi, je crois que ce qui va advenir dans la réalité, il advient beaucoup plus vite dans la réalité si déjà on l'a fait exister dans l'espace de l'imaginaire. Et les questions que nous avons du mal à traiter, c'est parce que nous n'avons pas pu les faire exister dans les mondes imaginaires. Et c'est parce que le roman, il parle assez mal de l'unité du vivant et que rarement il va au-delà de la division humain, non-humain, animal, etc., nature, culture, que nous avons du mal dans la réalité de prendre des décisions, je dirais, sociales et politiques, dans lesquelles on considère que la communauté, ce n'est pas la communauté humaine, mais c'est la communauté du vivant. Et si on considère que la communauté, c'est la communauté du vivant, donc que la politique devient une cosmopolitique. Comment est-ce qu'on va mettre en place une manière de vivre ensemble, harmonieuse avec l'ensemble du vivant? Comment est-ce qu'on va créer une économie qui ne nourrit pas que les humains, mais qui aussi fait croître le vivant? Donc, et comment est-ce qu'on va penser un ordre de relation qui articule une relation de symbiose avec le vivant, avec cette idée de symbiose qui est une idée de croissance mutuelle? Chaque entité du vivant, lorsqu'il croit, il fait croître l'autre. Et ça, je pense que lorsqu'on le raconte à des... Je dirais, quand on le raconte dans l'ordre du discours, ben pour que ça prenne réalité, il faut que ça existe dans l'ordre de l'imaginaire. Et à partir de là, on pourra se poser la question de savoir si je fais une constitution maintenant, ce n'est pas juste une constitution pour voir comment je vis ensemble avec mes semblables, mais dans la constitution, comme en Équateur, on fait entrer les mythes, les ancêtres, les animaux, les fleuves, les récits, et on fait communauté avec tout le vivant. Et on se pose la question de savoir comment on fait communauté avec tout le vivant. Et le roman, ben, c'est un espace absolument fondamental pour faire ce travail-là, quoi. Et le faire avec une grande liberté, et le faire surtout avec une grande liberté dans la gestion de la temporalité. Même, on n'est même pas obligé d'être dans un temps qui est le passé, le présent et le futur. C'est une moralité séquentielle. On peut être dans le temps de l'inaccompli et de ce qui est accompli. Le temps de la potentialité, ce qui est déjà accompli et ce qui reste à accomplir. Donc, on peut changer de moralité temporelle. Et tout ça, on a la grande liberté de créer ces mondes-là dans l'espace du récit et ensuite d'avoir une conversion utopique et de changer d'attitude dans le réel pour faire advenir ces mondes. Donc, pour les tirer de l'espace imaginaire, de l'espace de la potentialité ou de la réalité qui est en attente et de la faire advenir dans le temps. Donc, le roman, de ce point de vue-là, c'est un espace absolument fondamental. Et la question que je voulais te demander, justement, mais tu l'as déjà évoqué, quel rôle tu penses que l'Afrique pourrait jouer dans la réinvention du monde? Parce que je pense que le monde est à réinventer et que les formes de vie sont à réinventer. Et vu la vieille histoire de l'Afrique et la longue durée de l'histoire africaine, est-ce que tu penses que le continent a un rôle à jouer là, dans la réinvention des formes de vie et dans la réinvention du monde? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que como tu sabes, eu sou biólogo e ainda trabalho no campo, e tenho que, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me apresentar como e essa minha apresentação é feita em português e é traduzida nas línguas locais, né, nas diferentes 25 línguas que Moçambique tem. Em todas estas ocasiões, em todos estes momentos, surge o momento em que é preciso falar de meio ambiente, por exemplo. É preciso falar de natureza, é preciso falar de cultura. E é muito curioso que não há uma palavra nas línguas locais para dizer cada uma destas coisas. Neste caso, a tradução podia ser alguma coisa que trazia esta simbiose de maneiras diferentes de conceber o mundo, mas não é. Infelizmente, o que fica é o pior das coisas é o que fica, que é um sentimento de inferioridade, de minoridade, como se as línguas africanas lhes faltasse qualquer coisa, porque não têm ainda palavra. E isto é o modo de pensar dos próprios moçambicanos, que se sentem incomodados com esta coisa de que em vez de se sentirem orgulhosos de terem um modo de pensar mais simbiótico, mais
mais, digamos assim, mais vivo, mais ecológico, deste, na verdade, mais preparado para essa modernidade que temos que construir. Existe uma reação oposta, dizendo que, bom, somos menos que as línguas e os saberes. Agora, eu acho que uma coisa que a literatura, mas não só a literatura, os africanos podem fazer pela sua própria maneira de estar, tem a ver com o medo. Tem a ver com o medo porque me parece que uma coisa que eu aprendo todos os dias em Moçambique é que não há um medo tão bem definido como, por exemplo, o medo de não saber, o medo de não poder prever, o medo de não ser. É qualquer coisa que me parece que é menos dramático do que o medo que os europeus em geral... Estou a construir generalizações, mas, por exemplo, o medo de não saber. Eu notei muito isto com a pandemia, o Covid. O medo de confrontar alguma coisa que é invisível, que é este vírus. Em África isso... em África não, mentira, não posso falar em África. Estou a falar em Moçambique, nos lugares onde eu trabalhei, esse medo não existia. Porque existe a percepção clara que muito da nossa vida é comandada por coisas invisíveis, por entidades invisíveis. Já está lá, não é preciso criar esta ideia. E por outro lado, esta relação, esta ausência de fronteira entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, ajuda realmente a este tipo de ausência de fronteira entre o ser e o não ser, entre o fim, um eventual fim do mundo, não é? Porque quando eu vou terminar aqui, quando eu encontro um camponês, muitas vezes lhe pergunto sobre que ideia tem sobre o princípio, sobre a gênese do mundo, sobre a criação do mundo. E muitas vezes a resposta é talvez a mais inteligente, a resposta é dizer, o mundo sempre existiu. Deus não foi um fabricante, digamos assim, porque o mundo não teve princípio e por isso não tem fim. E já vimos tantos fins do mundo, não é? Com a escravatura, com as guerras que tivemos, com as guerras que temos hoje em Moçambique. Quantas vezes nós vimos um aparente fim do mundo, não é? E, portanto, há sempre uma narrativa que sobrevive e que faz sobreviver e que cria esse futuro, não como uma simples promessa, mas como uma coisa que já está dentro. E que está dentro porque mantemos viva essa relação. Mantemos viva essa relação com os mortos, com quem já não está presente. Então, se mantemos essa relação de conversa com os mortos, evidentemente a noção do futuro tem que ser uma outra, não é? E agora isso eu perguntar, e tu sentes isto mesmo também quando escreves, sendo tu escritor e músico? Isto passa-se no Senegal, esta relação com o medo que eu estou a referir? Oui, en fait, je viens d'une société, la société Serer au Sénégal, donc l'équipe Serer, qui a une grande relation avec le monde des morts et le territoire des morts, le territoire des ancêtres. Donc, dans mon éducation familiale, il y a un écrivain sénégalais, un poète sénégalais qui s'appelle Birago Diop, qui a dit que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le ruisseau, ils sont dans le vent, ils sont dans l'arbre. Et les sociétés desquelles je viens, lorsque les ancêtres vont en voyage, lorsqu'ils vont dans l'autre territoire, dans l'au-delà, ils continuent à entretenir des rapports avec les vivants. On continue à les nourrir, à les célébrer, à demander leur appui dans les moments importants de la vie. Et leur présence, elle est palpable. Et en fait, ce que je constate, c'est que peut-être l'un des défis que nous avons, c'est que nous avons été victimes de ce que les scientifiques appellent un épistémicide, c'est que nos croyances, nos visions du monde, nos cosmogonies ont été totalement dévaluées, contestées, ignorées, niées par le fait colonial. Parce que le fait colonial, il n'a pas simplement eu besoin des marchands et des militaires, il avait besoin aussi de détruire les répertoires de savoir, les ressources symboliques, ou les minorer, ou dire qu'elles ne valaient pas grand-chose, et essayer de remplacer une vision du monde par une autre vision du monde. Et faire en sorte que des élites, et créer des élites, quoi, des élites qui croient qu'en fait, leur cosmogonie, leur mythe,
ne sont pas valables. Donc, j'aime bien ces réponses intelligentes des paysans que tu relèves, qui relèvent l'idée d'un principe de vie qui était là, qui était antérieur, d'une vie qui n'a pas de fin, ou qui a eu plusieurs fins à chaque fois, et qui ont compris que la fin d'un monde n'était pas la fin du monde, et qu'il y a plusieurs mondes qui finissent, et quand ces mondes-là finissent, d'autres naissent. Et j'aime bien aussi l'idée que tu as relevée du fait qu'ils aient pu créer des narratifs qui les font survivre. C'est-à-dire que, et je pense que l'histoire de l'Afrique ne peut pas être résumée à des chocs historiques comme la traite négrière ou le fait colonial. Ils ont existé durant quelques siècles. L'histoire de l'Afrique est beaucoup plus vaste. Mais si je pense que le continent a survécu à ces chocs-là, c'est qu'il a pu produire des formes de vie, il a pu produire un désir de vie, des résistances justement quoi, à la négation de la vie, et qu'il a pu produire des récits qui justement ramènent la vie lorsque la vie est niée, lorsque la vie est contestée. À la négation de la vie et de ramener toujours la vie comme une entreprise inlassable que l'on reprend, etc., etc. Et donc, du coup, lorsque j'écris, lorsque je suis dans mon travail d'écriture ou de création, ben, bien évidemment, j'ai lu un certain nombre de choses, etc., etc., mais j'essaie d'être à l'écoute de principes et de forces qui m'ont antécédé, qui étaient là avant moi. Je sais qu'obscurément, de manière inconsciente, je suis porteur d'une mémoire qui est plus ancienne que ma vie. Et je me mets à l'écoute. Et je fais comme le personnage de la corridor des silences qui se tait et dont le travail et dont la grande capacité, c'est d'être en silence, mais pour être en mesure d'entendre tous ces différents mondes-là qui parlent et qui bruissent. Et je pense que notre travail, c'est justement, bien évidemment, le travail de mettre en forme, d'écrire, mais le travail aussi de se mettre à l'écoute et de laisser remonter un certain nombre de choses qui sont là, qui sont obscures, mais dont on sait qu'elles nous meuvent, qu'elles nous mettent en mouvement. Et donc, les mondes desquels je viens et les mondes qui m'ont habité, ben justement, c'est de faire en sorte que ces mondes-là ressurgissent quelque part. Et je les prends dans leur chaos, dans leur totalité, je n'essaie pas de les ordonner de manière rationnelle, et j'essaie de voir est-ce qu'à l'intérieur de ce qui émerge, il y a une matière à dire quelque chose qui cherche à être dit. Et mon travail, c'est d'essayer de me formuler ce que je sens de manière obscure que ça cherche à être dit. Mais je sais très bien que la connexion avec la pluralité des mondes qui m'ont fait est une source absolument importante, mais c'est une source qui me dépasse. Et il ne s'agit pas de dire que je suis sous une dictée et que je ne fais pas de travail. J'ai un travail que je fais moi-même, etc., etc. J'ai des obsessions, j'ai des préoccupations d'individus, j'ai des questions existentielles. Mais je sais fondamentalement que ce qui m'habite au fond relève d'une mémoire qui est là avant moi, qui m'a précédé et qui sera là et à laquelle je ne succéderai pas. Eu queria fazer talvez um desafio. Acho que vale a pena pensar. Eu fico muito feliz que este evento tenha como parceiro a Fundação, e talvez o que eu gostaria de fazer era dizer-te que vamos fazer todo o esforço para que os teus livros sejam traduzidos e publicados em Moçambique, sem esperar que isso passe por uma editora europeia, e essa é uma das consequências que um festival como este pode ter, digamos, que nós nos conheçamos melhor. Na verdade, só para terminar o que eu queria dizer, gostei muito do que disseste agora. Eu acho que o desafio aqui é como é que nós podemos recuperar a partir de dentro da África este grande repertório de saberes que temos, não é? De maneira que não caiamos na tentação de folclorizar, de romantizar este património como uma espécie de um dado histórico, não histórico, ou como se fosse uma coisa biológica, não é? Mas recuperamos uma ideia de tradição que não seja aquela que foi fabricada e que nos foi legada por uma concepção europeia. O que é que está vivo? O que é vivo? Como é que essa, vamos usar na mesma o termo tradição, ou esse património, como é que ele é nosso, como é que ele vai servir, está vivo e vai servir
para construir a ideia do futuro que nós tanto precisamos. Eu tenho muita fé que a África pode ter agora, nesta grande crise, neste grande vazio conceptual quase que estamos a viver no mundo. Eu acho que pode ser este um momento nosso em que nós podemos nos fazer ouvir, não só como fazedores de arte, mas como fazedores de pensamento. Sur la tradition, je suis absolument d'accord qu'il y a un vrai défi de défendre la tradition, la sortir de sa réduction par notre œil au folklore et de rappeler que la tradition, c'est un même qui change, c'est une dynamique et que c'est un répertoire de réponses et de ressources, c'est une matrice culturelle que les sociétés réinventent à chaque fois et qu'elles réadaptent. Et que les traditions, elles transmettent du feu, elles ne transmettent pas de la cendre. Qu'on peut enlever la cendre, garder le feu, ce qui est vivant dans le répertoire, ce qui permet de répondre aux questions d'aujourd'hui. Et donc, et qu'une civilisation, elle n'existe que si elle se fonde sur de l'arché. Elle ne peut pas enlever tout ce qui est ancien. Elle a besoin de se rappeler, elle a besoin aussi d'oublier. Une civilisation est fondée sur le couple mémoire-oubli. Donc la grande question, c'est toujours qu'est-ce qu'on transmet à une génération à venir, puisqu'on pense que ce qui est digne d'être transmissible, c'est ce qui va nourrir la vie. Les sociétés, elles ne transmettent pas tout. Elles laissent un certain nombre de choses sur le côté et elles décident de transmettre ce qu'elles estiment vital. Et les sociétés africaines, justement, dans ce répertoire qu'on appelle tradition et qu'on a voulu opposer à la modernité, et à un moment donné, je pense que durant les années 50-60, toute la littérature africaine était autour du conflit tradition-modernité, comme s'il fallait choisir l'un ou l'autre. Et en plus, on avait oublié qu'on devenait neuf en réinvestissant les ressources du passé. Il ne s'agit pas de retourner vers le passé, mais il s'agit de réinvestir et de réinventer les ressources. Je veux dire, on sait très bien, la Renaissance a fait le saut du Moyen-Âge et partie dans l'Antiquité gréco-romaine, a repris des motifs importants dans la littérature, dans la pensée, dans la peinture, et l'a réinventé. Et donc, ils ont rené, parce qu'il n'y a que, ben justement, quoi, il n'y a que dans la Bible ou dans le Coran ou dans les textes du monothéisme sémitique que Dieu crée ex nihilo, à partir de rien, où il dit « soit et c'est ». Nous savons que tout ce qui se crée fondamentalement se fonde sur une archive que l'on réinvestit. Donc, je pense que le travail de réinvestissement de l'archive sans complexe, en laissant la cendre, ce qui n'opère plus, et en gardant le feu, et avec ce feu-là, en construisant des futurs, c'est ce travail que nous devons faire, donc avoir un rapport sain avec ce répertoire-là, et l'examiner de manière lucide. Il y a des choses qui ne servent plus à rien, voilà. Il y a des choses qui sont vitales et qui peuvent nous aider à réinventer les présents, les utiliser et justement sortir de ce complexe où ne plus regarder ces ressources-là comme des ressources folkloriques, justement quand elles sortent du regard ethnographique et voir qu'est-ce qui est vital. Si elles sont vitales, on les réinvestit. Et c'est d'ailleurs ça le mouvement des sociétés. Et je pense que là-dessus, puisque nous sommes les groupes humains qui avons la plus longue historicité, parce que nous sommes là depuis le début de l'humanité. Donc, nous avons la plus grande expérience de la vie humaine. Donc, nous avons fait face à un répertoire de questions tellement important auxquelles nous avons apporté des réponses. C'est ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui. Donc, on ne peut pas prendre toute cette expérience de la vie humaine et dire qu'elle ne vaut rien. Je veux dire, et c'est ça le grand problème, quoi. Donc, toute cette longue expérience de la vie humaine, qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense que non seulement on a des ressources pour apporter des réponses à nos défis, mais on a aussi des ressources pour inspirer le reste du monde. Un monde qui est en déliaison, qui cherche à se relier, qui a beaucoup de défis à relever, nous avons un répertoire de ressources qui est absolument important, mais faudrait-il que nous-mêmes déjà, nous y croyons et que nous le réinvestissions avant de le proposer en partage au reste du monde. Et je pense que ça, c'est un défi que nous avons à relever dans l'espace des imaginaires et du récit pour que les jeunesses africaines, qu'elles n'aient aucun complexe, quoi, qu'elles embrassent la contemporanéité du monde, qu'elles embrassent le patrimoine, tous les savoirs du monde, puisque c'est leur savoir à eux, mais aussi qu'elles puissent se fonder sur des ressources issues de leur longue histoire, et qu'elles réinvestissent ces ressources-là, puisque ces ressources, elles ont un potentiel extraordinaire. Eu gosto muito, acho que gosto muito do que tu disseste, e acho que o que tu disseste, essa maneira metafórica, pode ficar como uma espécie de resumo desta nossa conversa, que é a sacudir a cinza e guardar o fogo. Eu gosto muito disso, é quase um lema de vida, não é? Acho que
o grande desafio nosso, eu acho que imediato, é que as novas gerações nossas sejam capazes de ter crença que podem inventar uma nova maneira de fazer política, por exemplo, de administrar a sociedade. Acho que essa crença tem que estar bem presente. Para que não, essa é que é a grande crise, não? Era isto. Félio, quero dar um grande abraço e dizer-te que é um grande prazer estarmos aqui a conversar tão longe e tão perto. Não sei se agora talvez possamos, não sei se estás de acordo, podemos abrir para perguntas, se houver, de outros companheiros, mas a minha vontade é ficar aqui o tempo inteiro conversando contigo. Mas vamos abrir a outra. Absolutamente. Ok. Então agora é a altura de colocar questões. Depois desta conversa, me pareceu extremamente inspiradora. Quem é que quer ser o primeiro? Agradeço que se apresente antes de falar. E é uma pergunta mesmo, ok? É uma pergunta só. Posso falar em francês um pouco, né? Je m'appelle Jérémy, quoi. Je suis mozambicain, je suis d'ici. Je voulais demander une chose là. Qu'est-ce que c'est l'écologie de connaissement au dernier moment? C'est seulement ça. Je n'ai pas compris la question. Je veux savoir qu'est-ce que c'est l'écologie de connaissement. Voilà. Qu'est-ce okay. que. Mais ouais, c'est ça. Merci, quoi. Des savoirs. Ouais, je pense que c'est. En fait, ce qu'il veut dire, c'est l'écologie des savoirs. En fait, c'est l'idée de dire que. Ouais, vraiment. Voilà, c'est l'idée de dire qu'il y a plusieurs types de savoirs. Il y a le savoir scientifique qui est dominant, mais il n'est pas le seul. Et qu'il n'est pas le seul en mesure d'interpréter le réel et de produire de l'intelligibilité sur le réel. Il y a différents types de savoirs. Et peut-être l'un des défis qu'on a, c'est de reconnaître la qualité des autres savoirs et de comprendre comment ils fonctionnent. Et de les mettre dans une écologie, de faire en sorte que les savoirs interagissent entre eux, qu'ils soient complémentaires, avec l'idée que ben, les défis que nous avons, on a besoin de beaucoup de ressources, de toutes nos ressources intellectuelles, de savoir, de savoir-faire cognitif, pour répondre à l'ensemble de nos défis humains. Et on ne peut pas juste s'arrêter sur une forme de savoir qui, des fois, nie la réalité des autres savoirs, puisque ces savoirs-là ne sont pas formulés dans ces termes à lui. Et c'est ça la tentative de l'écologie des savoirs, c'est de redonner la dignité à plusieurs types de savoirs, reconnaître leur singularité, leurs aptitudes dans des domaines différents, et faire en sorte qu'on ait un répertoire beaucoup plus riche de savoirs qui nous aide à répondre à nos questions et de les mettre en dialogue. Et c'est ça l'idée de l'écologie des savoirs. Eu posso acrescentar alguma coisa que resulta da minha própria experiência como biólogo. Quando se vai fazer alguma coisa que para mim é feita de maneira muito arrogante. Quando se vai fazer aquilo que se chama digamos assim, estudos ambientais e aquilo que se chama educação ambiental, e um grupo de gente que apenas valida o seu saber através da ciência, visita uma zona rural para educar aqueles que aparentemente não têm saber nenhum, ali não se cria nenhum diálogo, ali não se cria nenhuma ponte de confiança e nós temos despendido dinheiro e tempo numa coisa que nunca resulta. Porque quem é abordado a partir destas visitas de gente que é suposta ser dona de um saber, não vai fazer nenhuma pergunta, não tem nenhuma dúvida a colocar a esses outros que são realmente detentores de outros saberes. Não? Ok. Obrigada. Mais alguma questão? Ninguém? Bonsoir. Je vais poser ma question en français. Merci beaucoup, c'était super inspirant comme discussion. Vous avez parlé beaucoup du rôle de l'imaginaire et du rôle des romans dans l'imaginaire. Au-delà des auteurs que vous êtes et qui pouvaient atteindre toutes les populations, quels seraient les leviers d'action pour les jeunes pour créer ce nouvel imaginaire? Quelles solutions pragmatiques pour animer en fait, l'imaginaire africain pour la petite enfance, par exemple?
Merci beaucoup. En fait, il y aurait plusieurs choses. Déjà pour la petite enfance, je pense qu'il y a un travail important à faire dans l'édition de livres pour enfants. Le faire en sorte que les seuls contes qui existent ne soient pas Blanche-Neige, Le Petit Poucet, etc., etc., mais qu'il y ait un ensemble de répertoire de contes issus des cultures diverses du continent et ailleurs qui nourrissent les imaginaires des enfants. Ça, je pense qu'il y a une vraie responsabilité de leur offrir un imaginaire qui est pluriel et même un imaginaire dans lequel ils peuvent se connaître dans un premier temps, puisque les figures qui y sont présentées sont des figures qui leur sont familières, qui leur parlent. Même si les autres figures leur parlent, je ne suis pas en train de dire qu'elles doivent être identiques à elles, mais je pense qu'il y a une pluralité des mondes imaginaires à offrir. Et je pense que l'Internet, les contenus Internet absolument sont importants. Je dirais, comment est-ce qu'on investit donc ce média-là, le média vidéo, le média audio, en produisant justement quoi, une pluralité de récits qui peuvent circuler et qui peuvent nourrir et construire les subjectivités. Donc là aussi, c'est un travail de la culture, mais dans tous les secteurs de la culture. Et si on ne fait pas attention, ben on aura, dans une certaine mesure, un imaginaire qui est monochrome, qui est le même, qui tourne en boucle, etc., etc., et qui va laisser de côté toutes les puissantes ressources imaginaires du monde. Et quand je dis le monde, je vais au-delà de l'Afrique, l'Asie, le Japon, l'Océanie, tous les autres territoires, quoi, donc l'Europe, l'Amérique latine, et avec cette idée que ces récits-là aussi nous appartiennent, quoi. Eu posso acrescentar aquilo que disse o Felwin. Eu acho que o que ele diz sobre começar a partir da infância é fundamental. Eu acho que há géneros literários que são da tradição moçambicana, agora estou falando da tradição no sentido do fogo que falou o Felwin, que são, por exemplo, os jogos de adivinhas e de enigmas que se fazem com as crianças. Isso foi completamente abandonado, não corresponde àquilo que é o modelo do que é valorizado numa literatura europeia e desapareceu. Há só contos para crianças quando existem. Por outro lado, no lugar da oralidade, a maneira como o livro passou a ser o único, digamos, o único formato que é realmente dignificado e quando se podem fazer muitas ações, muita atividade à volta daquilo que é o património oral, contando histórias, gravando histórias, divulgando histórias por via da oralidade, por via oral, por via verbal, né? Então acho que há que pensar que a literatura não vive só nos livros e, sobretudo, num país como o nosso, ela tem que aceitar essas outras formas de expressão, né? Outra questão? Muito boa tarde. Eu queria dirigir-me ao Mia. Não. Meu nome eu sou o Tomás Vieira Mari. Dirijo-me ao Mia. Fiquei muito interessado quando falou do debate que terá havido em torno do último prêmio Nobel de Literatura atribuído ao africano de Zanzibar. E dizia o Mia, se calhar, em vez de discutirmos nos termos em que isso ocorreu, pensarmos que podemos inverter os termos, sermos nós mesmos a premiar, até se calhar os outros, de outra parte do mundo. Isso dá-me a ideia de que provavelmente não é só questão de nós próprios podermos criar prémios, mas talvez mais do que isso, definir nós próprios aquilo que são os paradigmas de literariedade que podem e não coincidir necessariamente com os paradigmas do Ocidente. E isso pode trazer de volta o que o Mia dizia há pouco tempo sobre o que é literatura em Moçambique, por exemplo, as anedotas, as adivinhas, que são uma forma muito, 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 muito nossa. Então, a questão é mais do que talvez sermos nós a emitir os prêmios, é nesse processo podermos criar nós próprios os padrões do que é literário,
que não podem, se calhar, constituir como aqui a definição ocidental de literatura. Eu não creio que tivesse, que haja aqui uma pergunta. O Tomás, mesmo assim mascarado e com aquela boné, eu já o tinha identificado assim que ele começou a falar. Conhecemos há muito tempo, conheço a voz dele e gosto sempre de ouvir. Mas eu acho que há aqui duas coisas ao mesmo tempo. Nós podemos navegar em territórios diversos, quer dizer, por exemplo, o Prémio Camões, não, digamos, é um prémio que se pensa para a língua portuguesa. Pronto, ok. E agora, ou nós entramos com dignidade neste prémio. Eu quero saudar, para já, eu quero começar por saudar a nossa colega, a nossa irmã, Paulina Xizene, por ter ganho uma salva de palmas para ela, porque nos honra tanto este prémio para o nosso país, para a nossa literatura. Mas falando do Prémio Camões, e penso reconhecer aí nos presentes aí na Fundação, não está o embaixador de Portugal aí? Não? Está aí, estou a vê-lo levantando o braço. Sim, também não passou desapercebido, está de máscara e tudo, mas já o tinha identificado. Mas o que eu quero dizer, e isto digo assim em público, Moçambique não pode continuar a participar da maneira que participa. Isto é, nós reclamamos ter mais presença, os africanos têm que estar lá mais presentes, porque somos 5 países, temos dois representantes no júri. Mas a pergunta é assim: qual dos nossos países entrega alguma, contribui de alguma maneira para este prémio? É zero. Moçambique não dá, agora vou usar o nosso termo, uma quinhenta para que este prémio seja maior. Contribuem Portugal e o Brasil. Portanto, se não contribuímos, se não ajudamos a que este prémio seja nosso, realmente, nós não podemos ter a arrogância depois de reclamar coisa nenhuma, não é? Então, acho que esta posição é uma posição quase de colonizado. Temos direito a estar lá e depois reclamamos que precisamos ter mais presença, etc. Mas o que é que custaria a um governo como o nosso, angolano, moçambicano, a participar monetariamente e ajudar a ser parte, digamos, um parceiro, e não simplesmente estar à espera que eventualmente sejamos premiados? Isto responde só a uma parte, quer dizer, no sentido de pensar que pode haver um prémio como o prémio Concours em França, como o prémio nosso, o Camões, que tem por fronteira, digamos assim, este domínio linguístico, que é a língua portuguesa. Mas podemos pensar noutros prémios, prémios africanos, que são concebidos, como dizia o Tomás Vieira Mário, que são concebidos até se calhar com critérios diferentes, abrangendo géneros que não são os que são convencionalmente pensados por outros prémios, não é? É uma pena que nós temos que colocar dentro da África esses centros de produção e deixar de assumir a posição de quem simplesmente se lamenta, não é? É isso. Sim, boa noite. O meu nome é Mateo Anjos. Boa noite, minha Couto. Boa noite, Felwin Sar. Muito obrigado por este bocadinho. Eu estava à espera que tivessem falado também de outro assunto, mas talvez, pronto, ficou dentro de outras questões mais primárias. Está-se a falar desde há muito tempo do problema da devolução dos objetos de arte africana que estão espalhados pelos museus do mundo. E eu gostaria de saber qual é a vossa opinião em relação a isso, tendo em conta que, talvez, esta é uma minha opinião, tendo em conta que para nós reconquistarmos, para os africanos reconquistarem a sua soberania, que não é só uma soberania política ou social, é sobretudo intelectual, talvez isto possa ser considerado uma perda de tempo, uma perca de tempo, ou um assunto que não dá muita, não dá muito retorno a este ganho de soberania de volta. Muito obrigado. Felwin, it's your turn to start.
Oui, j'ai très bien compris. Oui. En fait, il y a quelques années, j'ai fait un travail avec une historienne de l'art française, Bénédicte Savoie, et on a écrit un rapport sur la restitution des œuvres d'art pillées durant le temps colonial à l'Afrique. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va aller au Quai Branly assister à une cérémonie de restitution de 26 objets de la cour royale d'Abomey, au Bénin. Non, je pense que c'est une question absolument fondamentale, parce que le piège dans lequel on nous a enfermés, c'est de nous faire croire que les seules questions qui étaient importantes, c'était les questions liées à l'économie, aux infrastructures, et que les questions symboliques et culturelles n'étaient pas urgentes pour les Africains. Qu'il fallait d'abord manger, il fallait s'occuper de la pauvreté, il fallait construire des villes qui sont très modernes, il fallait construire des États démocratiques, ce qu'il faut faire, bien évidemment. Et les défis de l'économie sont absolument important, je suis économiste moi-même. Mais quand on pense que la ressource symbolique, historique et culturelle, elle ne sert à rien, c'est que justement, on a été victime de ce biais-là. Ce qui est fondamental pour les Africains, c'est d'être en mesure de se réinventer, de construire des présents et des futurs. Et en se réinventant, l'identité, le patrimoine, les œuvres d'art, qui ne sont pas que des œuvres d'art, qui sont des fois des objets de culte, des sujets actifs, sont des puissances d'existence. Les puissances de germination, c'est une brique, quoi. C'est une ressource que les générations présentes doivent mettre dans la grande besace de tous les éléments qu'ils vont utiliser pour se réinventer. Et un peuple qui n'a pas les traces matérielles de son génie, qui n'a plus son histoire, qui n'a pas les traces matérielles de sa production, il lui manque quelque chose, même s'il ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. Il est bancal, et il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est bancal. Et l'image que j'utiliserai, c'est ce membre fantôme. Lorsqu'on vous coupe la main n'est plus là, mais vous continuez à avoir des douleurs aux doigts, alors que les doigts ne sont plus là. C'est ce qu'on appelle des douleurs fantômes. Et quand on met un miroir devant votre main gauche, qui reflète de manière métaphorique votre main droite, et qui la remet de manière imaginaire à sa place, les douleurs disparaissent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque au continent et qui lui amène une difficulté d'exister, en dépit du fait qu'il ne sait pas au fond qu'est-ce qui lui manque. Mais dans son évolution historique et sociale, il y a eu un gap, il y a eu un trou, il y a eu quelque chose qui a manqué pour construire sur ça. Et les objets, les œuvres d'art, les entités spirituelles que c'est, les médiateurs entre le visible et l'invisible ont assuré les équilibres sociétaux. Et justement, les nouvelles générations, il leur manque ce lien-là avec l'ancien. Et lorsqu'ils récupèrent ces objets, ils les réinventent. Ça devient des puissances de créativité, de germination. Et puis les scientifiques peuvent réécrire l'histoire de l'Afrique. Les universitaires peuvent, dans ces objets, dans les filets de pêche, il y a des fractales, il y a des équations mathématiques, des savoirs qui sont encodés. Il y a tellement de richesses dans ces objets qui nous aident justement quoi, à nous nourrir à nouveau, à cultiver une créativité et puis à réinventer des formes. Donc il ne faut pas dire que ça ne sert à rien. C'est absolument fondamental. Et il ne faut pas avoir une vision simplement matérialiste. L'objet n'est pas un objet. L'objet est plus qu'un objet. L'objet dit plus que ce qu'il est. L'objet dit une histoire. L'objet est un savoir. L'objet est une puissance de germination. L'objet est une ressource créative. Et on ne peut pas. Et tous les peuples gardent leur histoire, leur patrimoine, en prennent soin, parce que justement, quoi. Et ces objets-là ont créé les avant-gardes en Europe, ont créé Picasso, ont créé Braque, ont créé Vlaminck, ont activé des ressources spirituelles dans d'autres lieux. Donc, à plus forte raison, dans les lieux qui les ont créés, quoi. Mais je pourrais passer toute la nuit en parler, mais comme je vais m'en arrêter là. Eu posso dizer só que eu tenho um grande desejo que esse património cultural, artístico, histórico que foi retirado da África regresse para a África. Mas no caso concreto de Moçambique, eu tenho esse grande desejo, mas tenho se calhar um maior receio em perceber que nós pouco temos feito em termos de investimento, conhecimento, etc., para guardarmos aquilo que nós já temos. E que está quase todo destruído, quer dizer, quais são os. Um ou outro museu resistiu, mas a grande questão para mim não é simplesmente como reivindicarmos perante os outros de um direito que é nosso, sim, mas como respondermos perante a nossa própria responsabilidade e a obrigação de fazermos isso bem, e não fazermos isso só por uma proclamação de ordem política, não é? Boa noite a todos. Boa noite, Félix. Boa noite, Mia. O meu nome é Pablo. A questão ia pouco à volta do que foi falado até agora. Por um lado, o Mia falava desta ponte que está a ser feita
entre dois países africanos, entre Senegal e Moçambique, e é esta conversa que é necessária existir entre as nossas culturas no nosso continente. E esta troca de conhecimentos, de histórias e de pensamentos entre nós, e não só o caminho do sul para o norte, mas dentro do nosso próprio continente. Então era uma questão, mais um desafio. Imagino que cada um do vosso lado devem ter experiências de trabalho com artistas, jovens, escritores, à volta deste pensamento da cultura própria de cada um dos vossos países, e dessa história, que esse legado, dessa história que tem já um passado muito grande, e que traz um conhecimento que não é ainda explorado suficientemente, tanto ao nível da educação como ao nível da cultura. Então, é perceber como é que esta ponte Senegal-Moçambique pode continuar a ser alimentada através desta continuidade, né? Não sei se já é o início de um trabalho, mas da continuidade em juntar artistas ou escritores ou estudantes universitários, e desafiá-los em estudar, analisar aquilo que é o conhecimento do seu país, aquilo que são as riquezas, né, dessas diferenças que nós temos, e que possam ser utilizadas no Norte também como referências para mudança na forma da gestão do ser humano e na forma de ser humano, e como é que isto pode depois resultar eventualmente em publicações ou em trabalhos que possam ser partilhados com outros moçambicanos e senegaleses e outros humanos de outros países também, como uma forma já de incentivar também esta partilha de ideias e de conhecimentos de dois autores para mais pessoas, ampliar este debate para mais pessoas, de forma a criar assim um movimento também à volta disto, e quem sabe um dia este movimento poder ter alguma forma de influência também política sobre a forma de gerir o ser humano. Obrigado. Felwin, I can start. Okay. Okay. Eu já ia continuar a falar em inglês. Este assunto eu tenho muita esperança, mas tenho pouca fé, porque este festival, por exemplo, que nos está a colocar em ligação Senegal com Moçambique, se é que a gente pode falar em Senegal, falando do Felwin, ou falar em Moçambique por causa de nós que estamos aqui presentes, aconteceu porque vamos ser francos, aconteceu porque há apoios, e o principal desses apoios vem de um país europeu. Qual é o investimento que realmente nós, como país, queremos fazer para que aconteça este diálogo dentro da África? É quase nulo, infelizmente, ao nível da literatura, da cultura, do pensamento. Nós temos aqui ao nosso lado um país que é uma grande potência dentro da África, a África do Sul. Que relação cultural temos com a África do Sul? Nenhuma. Havia um festival que até há pouco tempo se realizava, Time of the Writer, que tinha esta, funcionava como uma espécie de um centro que trazia escritores. Eu conheci muitos escritores africanos ali, vinham de todos os países da África. Esse festival morreu, que já não existe mais. Então, eu acho que nos resta uma espécie de guerra de guerrilha, em que pessoas concretas, organizações como esta, do Maputo Fast Word e de outras que eu conheço, que agora conheço através do Felwin, pequenas associações, pequenos grupos, esses sim vão começar a construir esta rede, mas não podemos deixar que isto seja entregue aos governos dos nossos países. Infelizmente eles têm outras prioridades, e eu até entendo isso. Felwin. Yes. Moi, j'ai un peu plus d'espoir et de foi que Mia sur la question. Depuis 2016, ça fait maintenant, on est en 2021, ça fait 5 ans que Achille Mbembe, un philosophe camerounais qui enseigne en Afrique du Sud, et moi-même avons créé une plateforme qui s'appelle les Ateliers de la Pensée à Dakar. Et au départ, l'idée, c'était de regrouper des penseurs et des artistes du continent, sur le continent, de définir une thématique et de réfléchir d'abord sur les problématiques du continent. Et quand on a fait la première édition en 2016, c'était un grand succès. La limite, c'est qu'on s'était arrêté au monde francophone. On a fait une deuxième édition, on a invité des Africains anglophones, Afrique du Sud,
etc., etc., des Africains de la diaspora. On a mis en place la traduction et donc on a vu que créer un espace de dialogue, de penser de notre destin et de penser les questions du monde à partir de là où on était, c'est absolument fondamental. On a publié des ouvrages là-dessus. Et le défi que nous avons, je pense, c'est justement un défi linguistique, de ne pas faire des frontières linguistiques, de ne pas en faire des frontières culturelles et des frontières épistémologiques. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, l'Afrique dite lusophone, rien qu'au Sénégal, il y a la Guinée-Bissau à côté, il y a le Cap-Vert à côté. Il y a des relations avec le Cap-Vert, puisqu'il y a une grande diaspora capverdienne qui vit à Dakar, mais les relations intellectuelles et culturelles, elles ne sont pas si poussées que ça. Et qu'il fallait faire un effort. Et c'est là où la traduction, elle rentre en jeu. Exemple, cette année, on a décidé justement quoi, d'investir dans de la traduction pour être en mesure d'inviter des penseurs, des gens de l'Afrique lusophone. J'ai invité Mia Akouto aux ateliers de la pensée à Dakar, il a accepté. Et on prend conscience de la limite du dialogue intra-africain. Et que ça doit être un effort pour transcender les barrières linguistiques, pour transcender les aires géographiques, les aires culturelles, et faire en sorte de créer des lieux où on peut discuter avec l'aide de la traduction et où on peut échanger des expériences. Et cette année, justement, quoi, on fait un effort vers toutes les régions de l'Afrique, mais aussi on fait un effort vers l'Amérique latine pour avoir un dialogue sud-sud et échanger des expériences autour des cosmologies du lien, des ontologies relationnelles. Donc je pense que les gouvernements, il ne faut pas les attendre. Il faut que ce soit des initiatives privées et qu'il faut qu'on aille chercher les ressources où on peut les trouver. Dès l'instant que c'est nous qui mettons en place le cadre de discussion et qui décidons des thèmes et qui invitons les gens et qui organisons la discussion, c'est des choses qui doivent, en tout cas dans un premier temps, venir des sociétés civiles. Et quand les choses deviennent fortes et importantes, ben les gouvernements rejoignent, quoi. Et que toutes les petites initiatives, elles sont bonnes à prendre. Et je pense qu'il y a de plus en plus un désir absolument important de dialoguer à l'intérieur et d'échanger des ressources et surtout d'être des gens qui sont en mesure de penser non seulement nos destins, mais de penser les questions du monde, puisque nous ne sommes pas hors monde. Mais c'est un travail vraiment progressif et qui n'est pas évident et qui se fera dans la longue durée, je crois. Boa noite a todos. Vou fazer algumas perguntas que estão no Zoom. A Tassiana Tomé pergunta: gostaria de saber como vê a afrotopia ou na utopia de outra África a democracia e o seu papel. Vou ler todas as perguntas seguidas. A Miriam Paredes: o amor como a morte tem sido um tema frequente dentro da literatura. Amor. Qual seria o papel do amor dentro do processo de construção das afrotopias? E por fim, nessa perspectiva de conhecer diferentes formas do saber, o que ambos pensam sobre aprofundar relações com as sociedades tradicionais em continentes como a América Latina, nos povos da floresta, nos Andes, que também defendem o bem de viver a integrar diferentes formas de vida? Obrigada. Oui, en fait, la question sur l'amour et la mort comme étant un thème principal de la littérature, et donc la question de Myriam, me paraît là, c'est de dire qu'est-ce que l'amour peut apporter dans l'afrotopia? J'avoue que je n'y avais pas du tout pensé en ces termes. Et en lisant la question dans le chat, je me suis dit, tiens, c'est une perspective intéressante dans la construction des métaphores du futur, dans le fait de tracer des sentiers sur la question de comment on produit des futurs souhaitables, comment on articule des ordres économiques, écologiques, sociaux et politiques harmonieux et culturels. Je pense que si on considère l'amour comme un sentiment qui se fonde sur la bienveillance extrême qui est tournée vers autrui, je pense que l'idée de produire des relations de qualité entre les différentes entités qui composent un tout, ben justement, quoi, si on en fait une cosmopolitique, si on considère que la ressource fondamentale pour produire des relations de qualité, c'est la bienveillance extrême. Donc, c'est l'amour que l'on porte à l'autre, c'est le soin que l'on porte à la qualité de la relation. Je pense que ça peut être un total renversement de perspective, quoi. Au lieu de fonder les relations sur l'utilité, bien évidemment, on a besoin d'avoir des relations utilitaires, mais de les fonder aussi sur le soin, sur le soutien, sur le care. Et une des versions extrêmes du soin apporté à la relation à autrui, on peut considérer que l'amour fait partie de ce soin extrême qu'on apporte à la relation. Et je pense qu'on peut l'étendre au-delà de la relation privée,
intra-individuelle, mais la qualité de la relation qu'on établit avec toutes les entités avec lesquelles nous sommes en résonance, avec le vivant, avec la société, donc tous les mondes qui nous constituent. Donc ça peut être un changement, mais d'une grande radicalité, c'est-à-dire d'une reprendre les choses à leurs racines et absolument fonder les relations autrement. Ça semble absolument utopique, mais ce que j'aime dedans, c'est que ça porte en elle une grande radicalité de dire, et si nous essayons de faire de ce sentiment-là le fondement de la production des relations. Et je trouve ça assez utopique, mais j'aime bien le fait que ça soit en même temps utopique et révolutionnaire comme vision du fondement de la relation. Okay. Eu posso tentar responder ao assunto de como é que nós pensamos ou podemos trabalhar com sociedades tradicionais que, dos povos indígenas, dos povos da floresta. Vou contar uma pequena história. Eu ajudei uma antropóloga que vinha da Holanda, que queria trabalhar com adivinhos e curandeiros em Moçambique. E ela vinha à procura dessa coisa mais ou menos que seria um universo de pureza, uma coisa que tinha congelado no tempo. E ela voltou, 2 meses depois, bastante, digamos, confusa, perturbada, porque os curandeiros e adivinhos que ela tinha visitado já faziam trabalho com um telefone celular e dois deles até tinham pedido computador para usar a internet, etc. Portanto, aquele universo que ela tinha imaginado de alguma coisa que estava fora do tempo, essa fronteira que ela tinha desenhado na sua cabeça entre onde é que mora a tradição e onde é que mora a modernidade, ela está hoje completamente fluida e não creio que se vai encontrar coisas mais tradicionais nessas regiões. Não há nenhuma região hoje que guarde essa espécie de museu, não é? fora do tempo e fora do mundo. Às vezes encontram-se coisas, tradições mais vivas, tradições antigas mais vivas na cidade. Elas foram sendo refabricadas e por isso sobreviveram, porque guardaram esse tal fogo, não é? Então acho que talvez o melhor que eu podia dizer era interrogar, questionar essa fronteira onde é que mora a tradição. Boa noite, meu nome é Lionel Matus. E eu queria voltar à conversa para a questão da restituição, que é, eu tenho uma dúvida, mas queria dizer assim, que é, sentimos que essa preocupação em relação à questão da restituição vem da Europa e igualmente é alimentada ou tem força a partir da diáspora africana. E a nível do continente africano não sentimos o mesmo fervor no que diz respeito a esse debate, à exceção de alguns projetos que andam por aí, que nós conhecemos. E eu fico a pensar que talvez isto também possa ser consequência do acesso a determinado tipo de conhecimento, a determinado tipo de informação. E a dúvida que eu queria colocar era como é que o Feluin, igualmente como é que o Mia, olham para a questão do arquivo neste debate sobre a restituição. Obrigado. Eu posso vou dizer uma coisa tão breve que eu vou dar a palavra logo a seguir ao Feluin. O Feluin falou há pouco desta digamos, morte desta grande narrativa de algum discurso, de alguma espécie de arquitetura de saber que cobre tudo, que hoje não existe, não é? Não existe essa grande narrativa. Estamos divididos, estamos partilhados em saberes que são dispersos, são fragmentados há palavras que estão a desaparecer, como a palavra planificar, por exemplo. Nós tivemos já no nosso país Ministério do Plano, nós tínhamos instituições que eram guiadas por planos, etc. Agora a palavra planificar está substituída pela palavra gerir, nós gerimos, não é? E portanto não estamos empenhados em construir essa ideia de futuro. E eu acho que aqui
O Lionel, eu queria dizer que fico aflito porque existem projetos. Nós agora agimos por projetos. Não agimos na base de um programa, de uma política que é traçada com algum sentido de tempo, com algum sentimento de longo prazo. Não? E, portanto, tudo isso que seja restituição daquilo que é nosso por direito próprio, por direito histórico, tinha que estar inscrito numa coisa mais vasta e tinha que incluir, por exemplo, as nossas próprias línguas. Não? Nós estamos a falar só daquilo que são, aparentemente, os objetos, mas qual é o plano, qual é o programa a longo prazo que temos para manter vivas as línguas indígenas de Moçambique? E cada ano que passa, cada tempo que passa, nós estamos perdendo. E, portanto, tenho muitas dúvidas sobre qualquer coisa que se faz assim, avulso, na base de projetos que são criados mais ou menos de espécie e de uma forma ad hoc. Felbin? En fait, ce que j'aimerais dire à Lionel, c'est que depuis quand même quelques années, les choses ont beaucoup bougé. Il faut juste se rappeler que la question de la restitution, c'est une question qui date des indépendances africaines. Et dès que les nations africaines ont été indépendantes, elles ont réclamé le retour de leurs objets. Et ça a été une longue, longue histoire. L'Algérie, après 62, a obtenu le retour de 300 tableaux au musée d'Alger. Le Zaïre de l'époque avait obtenu le retour d'une centaine d'objets de la Belgique. L'Éthiopie, qui est très à cheval sur son patrimoine historique et culturel avec l'Italie, et l'Angleterre a obtenu le retour de certains objets. Et beaucoup d'autres pays se sont vus opposer des fins de non-recevoir. L'UNESCO en a fait une question dans les années 70. Elle a fait signer une convention pour l'interdiction de la vente et de l'achat des biens qui avaient été spoliés durant le temps colonial. Et ainsi de suite. Et puis, il y avait des moments où la question, elle revenait au devant de la scène, elle disparaissait, il y avait des éclipses. Jusqu'en 2016, le Bénin a fait une demande à la France pour ces objets d'Abomey, la France de François Hollande avait refusé. Et Emmanuel Macron, en 2017, fait un discours à Ouagadougou où il annonce qu'il va travailler d'ici les 5 ans à des restitutions temporaires ou définitives. Il nous confie la mission, on l'a fait, il y a un grand débat qui s'ensuit. L'Allemagne, qui a son histoire coloniale avec la Tanzanie, la Namibie, le Togo, et qui était dans la réflexion sur le génocide des Herero et des Nama, et qui était dans un débat sur la présence d'un Humboldt Forum d'objets ethnographiques au cœur de Berlin, vient il y a à peine un mois ou deux d'entreprendre des démarches pour restituer les fameux bronzes du Bénin au Nigeria. La Belgique a voté une grande loi cadre, l'Africa Museum, l'ancien musée de Grootegeluk, ils sont dans un processus de restitution. Un pays comme l'Écosse est en train de restituer. Je l'ai dit tantôt, les 26 objets d'Abomey, la France a voté deux lois, a voté une loi pour restituer un sabre au Sénégal et à Jomar, une couronne à Madagascar, et les 26 objets d'Abomey. Les demandes de restitution ont réafflué, puisque les pays africains, certains étaient découragés, mais puisqu'ils ont vu qu'il y a une ouverture et qu'il y a un mouvement qui se remet en marche, le Tchad a fait des demandes, le Mali, le Burkina, il y a beaucoup de demandes qui sont arrivées. Et je pense que dans le temps historique, c'est une dynamique qui va se mettre en place. Donc moi, je suis plutôt optimiste parce que pour avoir vu ces 3 dernières années, malgré la difficulté de la question et du débat, les premiers mouvements, et je pense que c'est peut-être là aussi que c'est intéressant qu'il y ait un dialogue entre les différentes aires culturelles du continent, et peut-être qu'ici, au Mozambique, la question, elle n'est pas arrivée avec cette grande force et qu'elle se décline autrement, mais je serais intéressé de savoir les objets du Mozambique, ils sont dans quel musée? Est-ce qu'ils sont à Lisbonne? Est-ce qu'ils sont au Portugal ou pas? Est-ce qu'il y a eu de la spoliation? Et quel est l'état de la question entre les pays lusophones et l'ancienne puissance coloniale portugaise? Est-ce qu'il y a de vraies questions qui se posent de ce point de vue-là ou pas? Là, je serais vraiment intéressé d'avoir une idée de comment la question elle, se décline dans cette région de l'Afrique. Mais en tout cas, dans l'Afrique dite francophone et anglophone, les choses avancent. Les choses avancent vraiment. Et la question des archives aussi, elle fait partie des éléments à restituer. Et je pense que les archives, il y a aussi les restes humains. Il y a les human remains qui devront être restitués. Il y a eu Sergi Bartman, une longue lutte de l'Afrique du Sud pour récupérer la dépouille de Sergi Bartman, dont ça a été fait, etc. etc. Et je pense que toutes ces questions-là, ben, dans le temps de l'histoire, quoi,
elles vont avancer. Elles sont difficiles, complexes, mais je pense qu'elles avancent dans une temporalité liée à la temporalité historique. Et il y a des moments où ça, les choses s'accélèrent. Il y a des, voilà, il y a des avancées. Et donc, il faut savoir aussi être présent dans les moments où il y a des avancées. Não sei se temos tempo para mais uma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta. Então, penso que vamos terminar esta sessão por aqui. Queria só perguntar aos nossos dois convidados se querem fazer um último statement, dizer alguma coisa para terminar. Só talvez queria que dizer mais uma vez muito obrigado ao festival e dizer-vos que eu acredito em pequenas coisas, acredito em pessoas, acredito em quem está à frente deste festival, acredito no Felloween que está à frente de outras iniciativas e acho que o que eu posso dizer é que enquanto, digamos, responsável desta fundação, ou da Fundação Fernando Leite Couto, estaremos à disposição para este diálogo que nós estamos referindo aqui, feito por pequenos grupos, não é? Mas que pode ser, talvez, hoje com os meios tecnológicos que nós temos, pode ser realmente eficaz e criar aqui aos poucos alguma coisa, como diz o Felloween, que tem uma direção que amanhã possa fazer interessar os nossos próprios governos. Um abraço a todos e a todas. Obrigado. Obrigado. Felloween, tu veux dire quelque chose? Pour terminer? Oui, en fait, j'aimerais d'abord vraiment vivement remercier le festival, tous les organisateurs du festival, les remercier sincèrement et dire que j'étais vraiment très, très heureux de participer à ce festival, de discuter avec Mia Kuto et d'entreprendre, je dirais, une démarche de conversation qui est tardive. On aurait dû se mettre à converser depuis bien plus longtemps, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je suis très heureux et j'espère un jour venir en physique, quoi, en personne, au Mozambique et vous rencontrer les uns et les autres. En tout cas, un grand, grand merci pour m'avoir invité à avoir cette conversation-là. Et je vous souhaite aussi une très bonne suite de festival. Merci, Felloween. Alors, à bientôt, j'espère, ici à Maputo. Un grand merci, Louise, et à bientôt. Et remercie tout le monde. Então, muito obrigado a todos por terem estado presentes e espero que possam acompanhar quer as próximas sessões durante a semana que vem, aqui às 18 horas ou online da conferência e gostaríamos também, esperamos que possam estar nas outras atividades. Gostaria de destacar nomeadamente um concerto excepcional, atrevo-me a dizer, que vai acontecer no dia 9 de novembro no Teatro Scala com o Vitor Gama, que vem a Maputo, com o apoio também dos nossos patrocinadores, o Camões, e espero reencontrar-vos de uma maneira ou de outra brevemente. Muito obrigado a todos. Conviver um pouco I'm going to go to the hospital.